Bonjour Victoria, bienvenue au 11 Faubourg Saint-Honoré, ici en plein cœur de Paris. Merci infiniment, je suis ravie de découvrir cette belle maison de beauté Carita. C'est sublime, l'espace est incroyable, il y a une telle lumière, je suis si honorée d'être ici. C'est un endroit qui a été inauguré il y a 70 ans bientôt, par Rosy et Maria Carita. Je vais vous présenter maintenant Marcia, qui est votre experte beauté. Marcia va prendre soin de vous. Voici la gamme Or et Juvénique, notre protocole de soins premium et régénérant. Les formules contiennent de l'or biotech 24 carats, obtenu grâce à une micro-algue capable de bioaccumuler les particules d'or. La texture est fondante et fluide, fidèle à la philosophie des sœurs Carita. La peau est lisse et lumineuse. Incroyable la texture. On est dans la suite de beauté numéro 2, la pièce maîtresse. Il a fallu 7 hommes pour la porter en haut et la monter ici. Chaque suite de beauté a un marbre différent. Et puis vous avez la douche à marbre. C'est très très beau. C'est une suite où l'on prend soin des rêves des femmes qui viennent chez Carita. Je vous présente John Nollet, notre directeur artistique pour la maison Carita. Quel plaisir de t'accueillir ici. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Viens avec moi. Bon, Victoria, tu sais, on a une séance photo à faire tous les deux. Mais juste avant ça, je voudrais te faire découvrir le livre Carita que nous venons d'éditer il y a quelques jours. Avec plaisir. Voilà le livre que je voulais te montrer tout à l'heure, dont je te parlais, qui a été fait par Laurence Benahim, qu'on aime beaucoup dans la maison. Et je voulais partager avec toi quelques images emblématiques de la maison Carita, comme l'image des sœurs, très complices toutes les deux, comme tu peux le voir. Là, nous avons un sublime portrait de Catherine Deneuve. Il y a aussi beaucoup de personnalités du Gotha, comme ici Grace Kelly, qui adorait se faire coiffer par les sœurs Carita pour les grands événements. Et surtout, c'est que c'est la duchesse de Windsor qui a fait l'inauguration en 52. Alors voilà ce que nous avons retrouvé dans le patrimoine de Carita. Alors là, ce sont les sœurs de ton grand-père, qui étaient des amis de Rosy et Maria Carita, et elle l'avait coiffé pour son mariage. Incroyable. Un dernier trésor du livre d'or de la maison Carita de l'époque. C'est une signature de Maria Béatrice de Savoie, qui était elle aussi venue se faire coiffer souvent dans la maison de beauté. Prochaine étape, c'est ta signature, c'est ma signature. Et un petit mot dans ce livre d'or. Et maintenant, je vais te demander de m'accompagner. Nous allons aller à l'appartement de beauté pour notre shoot photo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette journée. Ciao, ciao.